Yes. Okay. On your right. Nine perfect. That's right. Ben, messieurs, s'il vous plaît. Jean-Marc, on dit. Le micro est là. La lumière, Jean-Marc, s'il vous plaît. Je vais le faire juste là. S'il vous plaît. Boxing is a chess game. And I think relying on the experience that you have, you know what I'm talking about. You have to have a plan A, B, C, D, tactic and a strategy, like in a chess game. So I'm definitely going to fight you, play chess with you in the ring, and eventually make a checkmate. Je pense bien que ce sera un combat très difficile, je le dis. C'est très très difficile même pour moi. Mais je vais m'entraîner pour... je ferai ce qu'il faut, mais pour être à la hauteur de ce combat. Mais voilà, je compte pas que ce soit un combat facile et je vais me balader, c'est pas vrai, ça sera voilà, insurmontable, mais je serai présent. Et je le redis, je veux ces ceintures. You're having great life attitude. You have to have dreams. If you're not dreaming, you're not performing. You can't move on and get whatever you want in life. So I'm not blaming you for that. Moi, je dis, j'ai vu beaucoup de gens rêver. J'ai vu Mike Tyson, c'était le plus grand champion du monde. Il a rencontré un mec, un illustre inconnu qui s'appelait Buster Douglas, et il a réalisé son rêve. J'ai vu Chavez, qu'on appelait l'empereur. Il a rencontré Frankie Randall, que personne ne connaissait, il a réalisé son rêve. Lui, il a déjà perdu. C'est pas comme si qu'il était imbattable, il a déjà perdu. Donc, pour l'instant, on voit juste sa taille, on voit juste, voilà, il règne depuis 7 ans, c'est bien, mais on finit par perdre un jour ou l'autre. Voilà. Noir de monde, et ça montre toute l'importance et l'attention. Alors, mesdames et messieurs,